Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 203 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui sur Game Boy Color à Titeuf. Titeuf en fait sur Game Boy Color. On avait fait Titeuf, c'est quoi Titeuf le film sur PC. C'était une sorte de party game et je crois que celui-là aussi en fait. Et donc c'est pour ça, bon, je me suis dit allez Game Boy Color, il me semble que j'y jouais à une époque. Je crois bien que ça se base un peu sur le style de Mario Party en avançant de case en case. Donc voilà, français, Titeuf de Zep. Bon, ils sont pas cassés l'oignon, on va dire, pour le menu, truc comme ça, la méga compète, récré express, option 1 app. On va faire la méga compète, hein. C'est parti. Choisis mon personnage, donc on va choisir. On va choisir Titeuf. Ouais, Titeuf, c'est bien. C'est parti pour commencer. Joueur, moi, CPU. On a. Je sais plus comment ils s'appellent. Les trois là, j'ai oublié leur prénom. Mon plateau. Il y a deux plateaux dispo, ok d'accord, donc on a pris la cour de récré. Alors, donc j'appuie sur le chiffre, ça me permet d'avancer. Ah bah direct, ça commence plus fort que Kevin Lover, c'est un party game, reproduit les touches selon le bon rythme. Hein. Voilà, donc AB et les flèches, reproduit. Alors on va voir ce que ça donne. Alors, ah oui, A, B, A, A. Donc en fait, oui, en fait, je me rappelle complètement. B, A, A, A. Je me rappelle de ce jeu, j'y ai joué un moment. Alors attendez, bon, voilà, c'est pas bien compliqué. Dommage qu'il n'y ait pas de confirmation quand on passe dessus, que la lettre, elle change pas. Ou... Du coup, on passe, on sait pas trop si on l'a eu ou pas. On sait qu'à la fin, voilà, 5. B, B, A, A. Bon, la musique n'est pas non plus exceptionnelle, mais bon. Tu vois le petit œuf qui danse. Ah oui, petite tête. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tcho, t'as gagné. Oui, j'ai gagné. Et gagné un E sur le E. Il y a un accent. Alors, ah putain, on voit le tour des autres aussi. D'accord, donc il fait tac. Hop. Donc la case jaune, c'est pour rejouer. Puisque là, il vient de rejouer, tout simplement. Et voilà. Allez, on entend la musique comme quoi il a gagné. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Regardez le score. J'ai 1, il a 1. Désolé, j'ai appuyé sur la touche entrée comme un idiot. On va voir s'il gagne aussi. Ouais. Je pense qu'il a gagné son défi. En fait, on voit pas son défi, mais on voit s'il gagne ou pas. 2, 1. Elle va prendre le deuxième. Hop. 1. Et 2. Ah bah non. Donc vous pouvez pas vous arrêter sur la même case que quelqu'un, faut vous arrêter ici à la case d'après. Alors 5, oula 5. 1, 2, 3, 4, 5, et on arrête sur la verte. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je choisis une carte. Ah bah tiens, ça me fait un cœur. Un morceau de poster en plus. D'accord, on récupère des morceaux de poster en fait. C'est ce qu'on gagne, c'est des posters. Voilà, je suis à 2, sans avoir fait grand-chose, c'est pas mal. Alors là, la petite musique, je pense qu'il a rien eu. Voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il a rien gagné sur ce tour. La petite musique. Elle reste dans la tête. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien finir en fait cette partie. Pas du tout dit qu'on arrive à la réussir. À la finir, du moins. Je vais vous laisser. Allez, je vais laisser un petit moment, on va se de gameplay. Même si, bon, bah, ça peut paraître lassant, moi j'aime bien. Allez, je vais jouer. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part, bon, les graphismes, allez, je vais faire un petit tour gratuit. Le graphisme est moyen, pour une Game Boy ça va. Mais le jeu lui-même, je pense qu'il va pas bien plus loin que ça. Ah bah tiens, regardez, je viens de piquer deux morceaux, j'ai encore atterri sur une case verte. Donc je suis à 4 morceaux. Et puis l'autre là, le mec en rouge là, le pote là, le gros, il a plus rien du tout. Allez, on se retrouve dans 5-10 minutes. Ouais, on va dire au moins 5 minutes. Allez, à toutes.
C'est de nouveau à moi de jouer. Et on est parti. Donc on a fait un joli 6. Allez, 4, 3, 2. Alors hop, je gagne un morceau au passage. Je suis à 10. Ça, c'est pas mal. Et on va atterrir sur mission pipi. Génial. Arrose le plus longtemps possible le vélo du concierge. D'accord, on va essayer de pisser sur le vélo du concierge. Allez, c'est un jeu très éducatif, ça. Donc allez, vas-y, pisse. Comment je fais pour monter plus haut? Voilà, allez, pisse. Voilà, on fait des points, génial. 40, 8. Je sais pas combien de points il va falloir que je fasse. Allez, une seconde, 172 points, j'espère que ça suffira pour gagner quand même. Ah non, j'ai perdu, il faut aller 180 points, ouais, j'aurais dû aller plus vite sur le début, mais je savais même pas comment on y jouait. Forcément, je pouvais pas aller vite dès le début. Alors lui, il a gagné sa place, il arrive à 6. Lui, il en gagne un, il est à 3. Et il gagne rien, donc il reste à 3. Je m'en sors plutôt pas mal sur un petit jeu comme ça. En temps, c'est pas dur. Hein. Mais bon. Après, c'est aussi un peu de la chance. Si les autres étaient tombés sur des cases vertes, ils m'auraient piqué pas mal aussi. Moi, j'en ai quand même piqué pas mal des morceaux. Donc voilà, je peux m'estimer heureux quand même. Gaffe au guêpe, traverse la cour avec ta bombe à eau. Alors, comment on va faire? On a un robinet à gauche. Hop là, alors on remplit notre ballon. Ah non, d'accord. Donc il faut absolument pas toucher les guêpes, sinon ça crève le ballon. Oh, le contrôle de ce personnage est un peu à chier. Ah, il fallait qu'il complique les choses, hein. Putain. Allez, douce. En fait, il glisse quand on arrive. Oui, on va essayer d'en faire un troisième. J'aurais pas le temps là, le temps que la guêpe remonte. Vite, non. Ah non. Il fallait en faire combien? 4. 4. Eh bah dis donc. Il faut vraiment pas perdre de temps. Hein. Faut vraiment pas qu'il y en ait un qui crève, sinon c'est mort. Mort de mort. Voilà, alors lui il a gagné, putain il est à 8, il me rattrape, il commence à me rattraper là. Bon lui il est à 3, il est un peu loin aussi. Il serait temps qu'il gagne. Je sais pas comment elle s'appelle la pote à Nadia là. Complètement oublié son nom. Allez, on va se faire un petit tour. Hop. Allez, c'est parti pour un défi. Je fais que de les perdre en ce moment. Fais baisser ta température en éliminant les virus. D'accord, un petit machin en beat'em all. D'accord, hop là, donc on est dans les airs comme ça. Enfin, on est dans un vaisseau sanguin et on est lié. Ouh là là. Ah, mais je perds des points à chaque fois que je me fais toucher. Non. Ah, je perds un point à chaque fois que je me fais toucher. Ah bah ouais, effectivement, je veux pas aller loin. C'est un peu... Le truc, c'est un peu pourri à contrôler quand même. En fait, au fur et à mesure que j'en gagne, je les perds. À la fin, j'ai pas grand-chose. Voilà, 9. Ça suffira pas, j'imagine. Voilà, 20 points. Sachant que j'en ai autant perdu que ce que j'en ai gagné, donc bon. Je pense que... je pouvais avoir le double, hein. Donc voilà, donc ce sera tout pour Titeuf sur Game Boy Color. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.